Bonjour Valérie. Bonjour Stéphane. Ça va? Oui, très bien, et toi? Ben ça va bien, ça se passe où? Ça se passe derrière. Alors je suis... Allez, suis-moi. Ok. Alors, voilà. Donc, c'est grand, hein? Ouais, ça va. On va pas s'intéresser à une partie seulement. Et c'est laquelle de partie? On va être là, à côté du chalet. C'est vrai que c'est une zone qui est relativement, ben, comme tu peux le voir, en friche. On a essayé de reprendre certains parterres. Là, tu vois la bande, la rocaille aussi derrière toi. Parle-moi de ça. Écoute, on avait un énorme sapin qui nous rajoutait de l'ombre jusque dans le salon. Donc on a décidé à Noël de le faire tomber. Voilà. Genre on n'en pouvait plus, on était triste, on était dans le noir toute la journée. Non. C'était un peu ça. Donc avec les copains, on l'a fait tomber. Mais du coup, on voit encore plus cette zone qui est en friche, qui n'est pas très belle, quoi. Et il y a des choses qui ne te conviennent pas, là. La haie, elle n'est pas opaque. On a un brise-vue qui ressemble à pas grand-chose. Mm-hmm. Et puis des grands lauriers, là où on ne voit plus que les troncs. Donc là, on avait envie d'avoir de la couleur, parce que c'est vrai qu'il n'y a aucune fleur. Puis on s'y connaissait pas assez pour les fleurs sous l'ombre. D'accord. Et là, il y a la cabane. La cabane avec deux auges, dans lesquelles on a remis des plants, parce que c'était vraiment tristounet sinon. Bon, ben écoute, je crois qu'on va réfléchir à tout ça un peu par là. Oubliez le côté tristounet, réfléchir et faire un dessin capable de nous mettre en joie. Alors, au fond, ce que j'aimerais déjà... C'est occulter dans un premier temps le petit paravent en plastique vert par une brande de saule. Sauf que c'est sombre le saule. Donc devant, il faut apporter de la lumière. Ce que nous allons faire par le bidélé agnus au feuillage panaché, qui vont venir comme ça dans les intervalles entre les photinias que tu as transplantés, les lauriers palmes, dans l'endroit le plus loin comme ça. Ouais. J'aimerais installer une plante très lumineuse. Mmh. De toute façon, ce qu'on ait un point comme ça, un point focal au milieu de tout ça. Et ce sera un cotinus, feuillage absinthe. Ensuite, tu me parlais de peau. Oui. Donc, il y a les deux peaux rouges qui sont là, qui vont venir s'inscrire là-dedans. Et trois peaux oranges, qu'on mettra plus loin, derrière. Voilà, dans ces peaux, on va jouer avec des feuillages très lumineux ou des feuillages pourpres. Donc là, devant, à partir avec quelque chose de graphique, il y a plusieurs photinias, ici on va rajouter, hein, avec plusieurs têtes comme ça, en nuage. Dans tes auges, il y a des choses qui ne collent pas. Il y a des troènes très lumineux qui en même temps ne sont pas suffisamment graphiques pour justifier d'être là, puis ils vont se trouver à l'étroit très vite. D'accord. On va garder les buissons qu'on aime bien, rajouter des photinias parce que juste pour raconter un peu ce qui se passe ici avec ceux-là. Et installer vivace à fleurs. Donc, nos deux troènes vont pouvoir aller se promener par là. Devant la cabane, on va pouvoir installer quelques plantes vivaces. Des œchères avec des feuillages pourpres. Des primes verts. J'ai juste oublié de parler des lécistérias à feuillage clair, qui sont des arbustes qui poussent à l'ombre et qui fleurissent. Très bien. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que c'est super. On est sur une bonne base. Ouais, bah, on a les points de couleur, on a les fleurs, on a l'occultation. Et puis en plus, tu récupères les troènes pour aller cacher les brise-vues à droite. Impeccable. Allons-y. Il y aura de la pluie, mais ce n'est pas grave. De nouveaux canisses, des gros pots fort colorés, de belles grosses plantes choisies pour se plaire dans ce coin d'ombre, des feuillages lumineux, sans oublier des plantes à fleurs et des couvre-sols, quelques tailles de correction. Et le mot de la fin. C'est génial, ça s'intègre bien et on est très content. Franchement, bravo. La coupe d'un grand sapin a laissé apparaître un coin d'ombre disgracieux qu'elle ne parvient pas à améliorer. Elle a l'impression de ne voir que lui depuis sa terrasse. Le dessin apporte quelques idées, des couleurs et de la lumière qu'il faut à présent faire entrer. Je pense que c'est super. On a les points de couleur, on a les fleurs, on a l'occultation. Impeccable. Hop là. Donc Valérie, l'idée c'est de commencer par mettre en place cette brande de saule de façon à cacher cette espèce de tissu vert qu'on n'aime pas. Ensuite, on va mettre en place les pots. Donc les pots rouges vont aller devant et les oranges plus grands derrière pour ramener un peu de lumière et de clarté et de voir quelles plantes vont dedans. Lorsque ça se sera fait, on pourra faire les trous pour installer nos plantes de haies. D'accord. Mais après, il ne faut plus marcher dessus, donc c'est pour ça qu'on commence par ça. Ok. Ok. La nouvelle canisse en rameau de saule est déroulée devant le coupe-vent vert. Plus sombre, plus discrète, elle est fixée avec du fil de fer directement sur la clôture existante.
Un grand photinia fraîchement replanté a perdu ses feuilles depuis l'opération. Il faut l'aider. Ça peut sembler excessif, mais c'est le seul moyen de lui donner une chance de se reconstruire. Les arbustes font leur entrée. Ils sont disposés à la place qu'ils vont occuper. Les fosses sont creusées. Les plantes peuvent être installées. Elles proposent toute une palette de feuillages, tantôt luisants, panachés ou verts, carrément clairs. Un Prunus lusitanica est planté en pot au coin de la cabane. Il est aussitôt retaillé pour une légère remise en forme. Une motte trop chignonnée est coupée. Valérie. Oui. J'aime bien ça, hein. Ça, c'est un arbre faisant. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'en fait, t'as vu, ces fleurs, elles sont comme ça. Et ça fait des grappes qui pendent tout doucement, qui s'allongent en fleurissant, et sur lesquelles viennent des graines ensuite à l'automne, et on dit que le faisan les mange. Ça s'appelle Leicesteria formosa, celui-ci c'est Golden Lanterne, et celui-ci s'appelle Leicesteria formosa. Celui-là est très lumineux, et celui-là l'est beaucoup moins, mais c'est des plantes qu'on ne va pas disposer au même endroit. Celui-ci va aller à mi-ombre, celui-là va aller à l'ombre, dans la mesure où ses feuilles jaunes risqueraient de brûler au soleil. Mais il est l'une des rares plantes à pouvoir éclairer à ce point un endroit très sombre. Et le paradoxe, c'est qu'il fleurit très bien à l'ombre aussi. Donc c'est une plante idéale pour la situation dans laquelle nous l'avons mise. Et il va réveiller cet endroit-là. Puis ça marche bien avec le orange. Tout à fait. Encore du drainage pour la plantation de ce sureau au feuillage doré. Presque autant que celui du Physiocarpus voisin. Un taillis de bois fragmenté est disposé au pied des plantes. Les iris déménagent. Hop là. Monte voir ton iris. Viens. En fait, l'iris, il fleurit l'année suivante sur ce qu'il va produire. Donc tout ce qui est derrière, ça sert à rien. Donc si tu n'as pas tellement de place, tu peux couper. Et je vais ensuite éliminer les feuilles qui vont de toute façon sécher. Là, on est au mois de juin. Il va faire de nouvelles feuilles. Et donc là, tu les mets en terre. Il faut que le dos du rhizome soit exposé au soleil. Donc le sud est derrière nous, l'est est ici, le sud est ici, donc je pense qu'on peut être sûr qu'ici profitera du soleil toute la matinée. Et c'est ça qui fleurira l'an prochain, et c'était trop à l'ombre là-bas. Dans les deux auges, le terreau est renouvelé. Un mélange d'arbustes et de vivaces, tout en contraste, y prend place. Devant la cabane, une plate-bande de plantes fleuries et de fougères rendra l'endroit plus accueillant. Et voici le clou de l'histoire. Valérie, tu vois, là nous sommes devant un photinia. Et des photinias, il y en a derrière qui viennent de fleurir. Mm-hmm. C'est le moment où normalement il faut les couper. D'accord. De façon à ce qu'ils fassent de nouvelles branches qui vont être rouges. Sans quoi ça devient ça, ça devient plein de trous, ça devient pas joli. Puis ici, on a à peu près le même type de plante qui a été travaillée en tige, avec des bouboules comme ça en hauteur. Et en fait, elles sont toutes tuteurées parce que ça pèse lourd. Et que ça, c'est fragile encore. Donc, tout pendant que ces tiges-là n'ont pas pris de force, il ne faut pas que ces boules se développent. Sans quoi, ça va finir par se casser. Donc, ça justifie 2 à 3 tailles par an. Entendu. Et pourquoi pas maintenant? Stéphane taille délicatement chacune des têtes de l'arbuste. Ah, voici encore plus de lumière. Valérie! Quelques petites bougies. C'est magnifique. Ah, franchement, là, on ne pouvait pas mieux espérer. Hein. Cet arbre nuage avec le Bouddha, c'est un peu japonisant. C'est sympa, c'est zen. Et puis, j'aime les pots. Tu as tapé dans le mille, hein, parce que les couleurs, c'est exactement ce qu'on voulait. Le petit rappel de rouge, hein, qui fiait bien à la maison. Bah, c'était tes pots rouges et l'idée était de ramener de la lumière et de la couleur. Donc, ce qui est bien, c'est que l'orange te plaise. Exactement, ça complète bien. Hein, c'est un joli camailleux. Je pense que là, le visuel qu'on va avoir de la terrasse, il est juste magnifique. Et on va même en profiter par la fenêtre du salon. Donc on va la voir toute l'année. C'est génial, ça s'intègre bien et on est très contents. Franchement, bravo. Merci. Le grand sapin que Valérie a fait disparaître cet hiver avait privé de lumière tout ce coin du jardin. Rien ne pouvait y pousser. À présent que la lumière est revenue, l'herbe va peu à peu réapparaître et toutes les plantations vont pouvoir en profiter. L'endroit disgracieux est éclairé par une série de pots pimpants
qui ont permis de planter des arbustes qui n'auraient pas trouvé leur vie s'ils avaient été installés entre les racines des bouleaux, offrant un large éventail de verts, du plus brillant au plus clair. Ils animent la perspective qui, depuis la terrasse, est enfin agréable à regarder. Bien joué !